Il est 8 heures. En plein centre-ville, au milieu d'immeubles délabrés et insalubres, Sophie démarre sa journée de travail. Elle est agent immobilier. Et contre toute attente, à Saint-Denis, elle s'est spécialisée dans les biens d'exception. Lofts et maisons de maître. La cité du 9-3 recèle de petits trésors cachés et Sophie en a fait une affaire florissante. Les gens qui quittent Paris, en général, cherchent un espace extérieur. Donc une terrasse ou un jardin ou une belle cour. C'est vrai que ce sont des produits qui sont très recherchés. À Saint-Denis, le prix moyen au mètre carré tourne autour de 2800 euros. C'est 2 à 3 fois moins cher que dans la capitale. Sophie a senti le filon il y a 22 ans, quand elle a acheté son grand loft de 200 mètres carrés. Elle y vit avec son mari et ses deux enfants. Comme elle, ils sont nombreux à traverser le périphérique pour trouver des logements spacieux à moindre coût. Tu restes ici. Non, tu restes là. Je reviens, Hector. Je reviens. Ce matin, elle a rendez-vous dans le centre-ville avec une cliente qui a, elle aussi, envie de tenter l'aventure. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous avez fait bonne route depuis Paris? Oui, très bien. Pas trop de bouchons. J'ai réussi à me garer, ça va. Axelle est directrice commerciale dans un grand groupe d'électroménagers. À Saint-Denis, cette mère de famille espère trouver la perle rare. C'est vraiment très sympa cette rue pavée, là, comme ça, avec une belle perspective. C'est superbe. Sophie veut lui montrer un appartement de 88 mètres carrés, affiché à 340 000 euros dans le centre-ville. Mais avant, elle tient à faire le tour du quartier. Face à la basilique, la rue de la République est l'axe principal de la ville. Récemment devenue célèbre, car c'est ici que se sont cachés les terroristes qui ont attaqué la France en novembre 2015. C'est aussi l'une des rues les plus criminogènes de Saint-Denis. Alors même si ce n'est pas très commercial, Sophie tient à alerter sa cliente. Il y a 3 règles à connaître à Saint-Denis. Axel, on évite de sortir son iPhone dans la rue. On a tendance à avoir le sac en bandoulière. Et puis en voiture, on ne laisse pas son sac à main sur le siège passager. Et après, on est tranquille. Voilà. Vous vous sentez comment dans cette ville? Alors, je dirais que c'est, comme on dit, on parle des minorités visibles. Voilà, donc c'est nous un peu la minorité visible. Hein. Mais en tout cas, ça a l'air de bien se passer. Donc c'est, au moins, c'est vivant. Et voilà. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde, oui. L'appartement que Sophie veut faire visiter à Axelle se situe au 5e étage de cet immeuble haussmannien. Alors, attention, lumière. Hop. Ah, c'est très lumineux. La première impression est plutôt positive. Sophie sent qu'elle a un coup à jouer. Si elle parvient à vendre cet appartement, elle empochera une commission de plus de 25 000 euros. Allez-y, entrez, voilà. Une chambre salle d'eau, donc celle-ci est plein sud. Au total, 5 pièces, 3 chambres, avec une grande cuisine tout équipée et un double séjour de 30 mètres carrés. Les petits plus, ce sont les 2 balcons côté cour et côté rue. Avec une vue imprenable sur la ville et encore plus. On aperçoit le Sacré-Cœur. Ah, on aperçoit le Sacré-Cœur? Ah dans oui. Dans la pollution de Paris. Ah oui, au bout là-bas, oui. À 340 000 euros, cet appartement à 2 pas de Paris est une affaire. Mais il y a un petit hic, le parking, il n'y en a pas. Ça, c'est quand même important dans les critères. Moi, je peux me garer dans la rue, chercher. C'est pas possible. À la fois en temps et à la fois, je suis sûre d'avoir mes rétros cassés. Enfin. Sophie ne conclura pas la vente. Mais quelques semaines plus tard, sa cliente va craquer pour un autre bien du même genre, avec parking cette fois. À Saint-Denis, le quartier le plus prisé par sa clientèle se situe autour de cette rue très privilégiée à 700 mètres de la basilique, la rue des Ursulines. Des hôtels particuliers, des maisons de maître et un couvent classé monument historique. Ici, uniquement du haut de gamme. Les standards n'ont rien à voir avec le reste de la ville. Entre, Marianne. C'est surprenant. Dans ce quartier, les biens à la vente sont rares. Mais Sophie a dans son catalogue une demeure qui rencontre beaucoup de succès auprès de ses clients. Tu as
Donc un grand salon qui donne sur le jardin. La maison fait 170 mètres carrés. Mais l'atout majeur de cette propriété, c'est son jardin de 250 mètres carrés. Une bouffée d'air aux portes de la capitale. Qu'est-ce que c'est calme en plus ? Alors on n'entend rien. On peut jardiner, on peut planter, potager. À Paris, cette demeure se vendrait plusieurs millions d'euros. Ici, elle n'en vaut que 700 000. En moyenne, Sophie vend 12 appartements par an. Mais depuis quelques années, elle est confrontée à un nouveau problème.